Boker Tov à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes vendredi matin et comme tous les vendredis, nous allons consacrer notre cours à un sujet de réflexion sur la paracha de la semaine. Je voudrais bien évidemment, comme d'habitude, dédier notre cours pour la refoua shelema de tous nos malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Mahlouf ben Atu Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Mahlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne, Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Sarah bat Chaya, Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Mahlouf, Dvorah bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dori Dvorah bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gwetale bat Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korshia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Je voudrais également dédier notre cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Etitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Avram Akohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimon, Mesoda bat Oraida Karsanti, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati bat Sliach Libet Politi, Lea Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda bar Alia, Avram ben David Weister, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun Vejohar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Ravriou ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Ramsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Etchma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Ori Chaim ben Simra Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Mahlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Ben Rnina, bat Rnina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Dans la paracha de cette semaine, eh bien, la Torah ouvre effectivement sur le recensement des enfants d'Israël. Vous allez le voir en lisant la paracha demain matin. Il y a toute une partie consacrée au recensement, à la position des tribus les unes par rapport aux autres dans le désert, comment quand on marche, comment est-ce qu'on doit se positionner lorsqu'on est à l'arrêt. Enfin, c'est tout un sujet qui est intéressant, soit bien évidemment, qui porte beaucoup de commentaires, de valeurs, d'idées, les drapeaux des tribus, les symboliques des tribus. Enfin, tout cela, c'est abordé dans la paracha. Et dans le recensement, il y a une grande singularité qui est mise en évidence par la Torah elle-même. La Torah crée un distinguo entre la façon de recenser les enfants d'Israël dans leur grande globalité et la façon de recenser la tribu de Lévi, puisque les Lévis sont mis à part. Ils sont mis à part tout d'abord parce qu'ils n'ont pas commis la faute du veau d'or. Les enfants d'Israël vont faire la faute du veau d'or. Eux ne vont pas commettre la faute du veau d'or, donc ils vont rester kadosh, ils vont rester sanctifiés, ils vont rester attachés à une identité forte de la manifestation de Dieu sur terre. Ça, c'est le Lévi, la particularité des Lévim. Donc, on nous dit que le Lévi, il doit être recensé, non pas avec les autres, il doit y avoir un compte spécifique. Pas simplement la différence d'âge où les autres vont être comptés à partir de 20 ans et que les Lévis vont être comptés à partir de l'âge d'un mois. Pas simplement par rapport à cela. Alors oui, c'est vrai, ils portent en eux une kedusha particulière, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas chuté avec la faute du veau d'or. Et que puisqu'ils n'ont pas commis la faute du veau d'or, ils vont avoir le mérite de servir au Beth Amikdash, puisque je vous rappelle que les Kohanim ne sont rien d'autre
qu'une branche de la tribu de Lévi, et les Lévi'im donc sont là de toute façon au Beth Amikdash pour s'associer au service des Kohanim, notamment à travers le chant des les Lévi'im. Bien. Mais quel est leur rôle en particulier ? Très bien, on sait que les Lévi'im ont un rôle particulier par rapport à la sainteté, à la Kedusha, au Beth Amikdash, au tabernacle. Ok, mais quel est leur rôle exactement ? Voici le verset. « Vaïdaber Hachem el Moshe lemor » Dieu s'adresse à Moshe en lui disant « Hakrev et maté Lévi, ve'amata oto livne Aaron a Kohen ve'sherto oto » Voilà, on a ici dans la paracha dit de manière très claire que les enfants de Lévi, la tribu de Lévi, Hakrev, Moshe a le devoir, a l'ordre de rapprocher la tribu de Lévi, Lifne Aharon, devant Aharon, à Cohen, mais cher tout auto, ils seront au service de Aharon. Donc vous voyez bien, la position du Lévi par rapport au Cohen, c'est écrit explicitement dans le texte de la Torah. Donc ils vont avoir toute une sorte de mission de surveillance, de garde à l'intérieur du Mishkan, très bien. La avodat avodat à Mishkan, et donc ils vont travailler et faire effectuer le service du Mishkan eux aussi. Veshameru et kol kele ohel moed et mishmeret bnei Israël la avod et avodat à Mishkan. Effectivement, d'accord, donc ils doivent effectuer tout un service particulier dans, au sein du Mishkan. Bien. Et on va nous dire, un peu plus tard dans la paracha, « Naso et rosh bene kehat, mitor bene levi, le mishperotam levet avotam » Dans le peuple d'Israël, il y a la tribu de Lévi qui est mise à part. On les compte seuls. Et une fois qu'on a dit cela, dans la tribu de Lévi, on va également créer une distinction. On va dire tout d'abord « Naso et rosh bene kehat ». Dans la tribu de Lévi, il y a une famille qui s'appelle Kehat. Et on nous dit dans la Torah « Naso et rosh bene kehat ». Élève la tête des enfants de Kehat. « Mitor bene Lévi » au sein de la tribu de Lévi. Les Mishperotam, les Vetavotam, donc pour en faire le recensement. Ensuite, un peu plus tard, on va nous parler de la famille de Gershon, qui est une deuxième famille dans la tribu de Lévi, où on nous dira « Naso et rosh bene Gershon » élève, soulève la tête de la famille de Gershon, Gamhem, eux aussi, mais le « eux aussi » vient montrer qu'ils sont déjà moins importants que les Kehat, puisque pour les Kehat, on nous dit « Naso et rosh bene Kehat » élève la tête, compte les de manière distinguée la tribu de Kehat, la famille de Kehat, pardon. Ensuite, tu compteras les Gershon, eux aussi, sous-entendu, bon, bah eux aussi, comme les premiers, mais c'est les premiers qui sont avant. Et le troisième, la troisième famille de la tribu de Lévi, ce sont les Merari, où là, dans le verset, il est écrit « Bene Merari, les Mishperotam, les Vetavotam, Tifkodotam » La famille de Lévi, de Merari, pardon, tu devras la compter au sein du peuple d'Israël, mais là, vous remarquez qu'il n'y a pas l'emploi du mot « Nasso ». Élève la tête de la famille de Merari, ce n'est pas dit. Il est dit simplement, tu compteras les Merari. Eh bien, nos maîtres nous disent, il y a ici une distinction qui est faite. Il y a une évidence, une mise en évidence sur un piédestal de la famille de Kehat, ensuite les Gershon, et seulement après les Merari. Et on nous dit, quelle était la mission, puisque ces trois-là travaillaient tout de même, hein, personne n'est exclu, attention. Personne n'est exclu dans la tribu de Lévi. Ils sont tous inclus avec un travail particulier, mais ils ne vont pas avoir la même mission, chacun. Chacun une mission particulière. Et voilà ce qu'on nous dit. Les Kehat, donc on va dire la famille prime, la famille qui est mise en évidence, Alehem uta la tafki de la Seth et Aaron. Ah bah oui, c'est eux qui devaient porter l'Arche Sainte. Le shulchan, la table avec les pains, la menorah, les misbechot, les autels, vechol kele ha-mishkan. Ah bah eux, ils portent tous les ustensiles du mishkan. Donc on est bien d'accord, hein, c'est pas simplement parce qu'ils sont cités en premier, mais ils ont la plus belle tâche. Dans le désert, c'est eux qui vont transporter sur leurs épaules le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, la menorah, le chandelier, avec tout ce que ça représente, les misbechot, enfin... Tous les ustensiles sacrés sont portés par les Kehat.
Qu'en est-il des Gershon? Les Gershon, eux, donc la deuxième famille, la setet kol yeriot à Mishkan, ils devaient transporter toutes les tentures du Mishkan, c'est pas mal, et les Merari, donc la troisième tribu, la troisième famille, la setet karché à Mishkan. C'est eux qui devaient porter notamment les poutres du Mishkan. C'est bien aussi, bien évidemment, de porter les poutres du Mishkan, mais c'est moins important que les tentures. Et les tentures, c'est déjà très bien, mais c'est moins important que les ustensiles eux-mêmes, les ustensiles premiers, bien évidemment. Et la question qui est posée est la suivante, c'est pourquoi est-ce que dans la présentation faite par la Torah, donc l'ordre est clair, Kehat, Gershon et Merari, pourquoi est-ce que c'est cet ordre-là qui a été suivi par la Torah? Vous allez me dire, mais quelle est la question? Eh bien, en réalité, ça ne correspond pas à l'ordre de leur naissance. Kehat, ce n'est pas l'aîné dans la famille. Parce qu'on a un autre verset, mais qui vient de Bereshit, où on nous dit, Béné Lévi, voici la famille, les familles dans les enfants de Lévi, la tribu de Lévi, d'accord? Gershon, Kehat, Umrari. C'est Gershon qui est en premier. C'est Gershon l'aîné, a priori, ce n'est pas Kehat. Donc la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que là, le premier qui est présenté, c'est Kehat et pas Gershon. On aurait dû suivre l'ordre de naissance. Gershon n'a rien fait pour démériter sa place d'aîné, hein, c'est évident. Pourquoi est-ce que la Torah présente en premier Kehat avant Gershon? Alors vous allez répondre, eh bien oui, c'est normal. Puisque les Kehat, c'est eux qui portent le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, avec tous les ustensiles importants du Mishkan, eh bien, du coup, ils ont la priorité. Bah, c'est normal, ils portent l'Arche Sainte, ils sont cités en premier. Très bien, vous aurez raison dans cette réponse. Mais la question reprend et repart de plus belle. Si c'est Gershon l'aîné, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui, Gershon, qui porte l'Arche Sainte et la Ménorah et la table de préposition et les ustensiles sacrés du Mishkan? Pourquoi est-ce que c'est Kehat qui passe avant Gershon? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Kehat? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de porter sur ses épaules l'Arche Sainte directement? Je répète, que ça soit Gershon, que ça soit Merari, eux aussi ont un très grand mérite. Les autres ne portent rien, hein, d'accord? Les enfants d'Israël, ils portent rien. Il n'y a que les Lévis qui portent. Donc c'est déjà un très grand mérite. Mais dans le mérite, pourquoi faire passer Kehat avant les Gershon, alors que Gershon, c'est lui l'aîné de la famille de Lévi? Et finalement, élargissons encore plus notre raisonnement. Pourquoi ce sont les Lévis qui portent? Pourquoi que les Lévis? D'accord, avant de parler du distinguo au sein de la tribu de Lévi avec les trois familles. Pourquoi est-ce que c'est les Lévis qui ont le mérite de porter le Mishkan? Pourquoi est-ce que ce n'est pas donné, je ne sais pas, à tous les chefs du peuple d'Israël, par exemple, quelle que soit leur tribu? D'accord, on aurait très bien pu imaginer hein, que chaque tribu porte quelque chose, etc. Pourquoi les Lévis? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les Lévis? Eh bien, nos maîtres nous donnent la réponse suivante. Déjà, dans le livre de Shemot, au moment de l'esclavage en Égypte. Vous le savez, les Lévim n'étaient pas asservis en Égypte. Ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Le pharaon et le système égyptien respectaient les prêtres, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Un prêtre, c'est respecté. Un prêtre, c'est une valeur noble. Au sein de la famille de Yaakov qui arrive en Égypte, Lévi, c'est le prêtre. Il y a plein d'explications sur cela. Mais Lévi, c'est lui qui est consacré au service de Dieu. Depuis sa naissance, en réalité. Parmi les 12 enfants, les 12 garçons de Yaakov, il y en a un qui s'appelle Lévi. Ce Lévi, à sa naissance, nous dit le Midrash, Yaakov l'a levé au ciel en lui disant « Celui-là, il est consacré au service divin. » C'est un autre sujet. Mais il n'empêche que lorsqu'il arrive en Égypte, Yaakov avec sa famille, on repère tout de suite le Lévi. Tout de suite, aux yeux des Égyptiens, un Lévi, on ne touche pas au Lévi. Quand, bien plus tard, le peuple va être asservi en Égypte, le Lévi va être en dehors de toute souffrance. Le Lévi ne va recevoir aucun coup de la part des Égyptiens. Il ne sera pas
dans l'obligation de construire la moindre brique. Rien. Pas les Lévim. Et malgré tout, pendant le temps de l'esclavage, les Lévim ont un mérite particulier. Lorsque leurs frères souffraient en Égypte, ils auraient très bien pu se dire « Bon, bah, on ferme un peu les yeux parce que nous, on n'est pas concernés. Nous, on n'est pas touchés. Nous, on est protégés, on est en dehors de la souffrance de ce peuple-là. Bon, alors on va vivre entre nous, nous les Lévim. On va faire notre vie. Baruch HaShem, on n'est pas assujetti par les Égyptiens. Baruch HaShem. Alors on va vivre comme ça. On ne souffre pas. Nous, on ne souffre pas. » Eh bien, nos maîtres nous disent, regarde. « Ve'ele Shemot ben Lévi, caché. » Lama amar tevot shemot etel Lévi yoter mimash amar birgwen veshimon. Aïnyan hu ki shevet Lévi, loayou be galout be mitzraim. Écoutez bien cela. Nos maîtres nous disent qu'effectivement les Lévim n'étaient pas assujettis. Ve Lévi yadad avarze veratzal ishtatev be tzarat atzibour. Mais au lieu de vivre entre eux, les Lévim, qui n'étaient pas assujettis, se sont associés à la souffrance de leurs frères. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Lévi, le premier Lévi? Qu'est-ce qu'il a fait, le Lévi? Kara Shemot Levanav Alchem Agalout. Lorsque Lévi a eu des enfants et qu'était venu le temps de nommer les enfants, il a nommé ses enfants en leur donnant un nom lié à la souffrance de l'exil. Dainu, Gershon, Hashem ki gerim hem ba'aretz lo lahem. Kehat, Hashem shinehem kehot. Merari, vayimariru et hayem. Lévi a trois enfants. Et regardez les noms qui ont été choisis. Gershon, ça vient du mot guerre, étranger. Nous sommes des étrangers sur cette terre, même si on ne souffre pas, nous les Lévim, on souffre avec nos frères. Donc mon fils aîné, je vais l'appeler Gershon, par rapport à la souffrance qui va arriver, parce qu'on sait que l'exil va commencer en Égypte et qu'il y aura l'esclavage en Égypte. Donc moi, Lévi, je ne veux pas me séparer de la souffrance de mes frères, même si je sais que moi je suis protégé. Je veux m'associer à la souffrance de mes frères et je veux que mes enfants vivent ça dans leur chair, même s'ils ne sont pas assujettis directement. Donc mon fils aîné, je vais l'appeler Gershon. Et à chaque fois qu'il va prononcer son nom et qu'on va l'appeler, eh bien il va se dire, moi je suis celui qui est étranger sur cette terre. Je ne veux pas tirer profit de tous mes bénéfices, de toute ma protection sociale parce que je suis un Lévi, parce que je suis un prêtre. Non, je m'appelle Gershon. Le deuxième s'appelle Kehat. Pourquoi le mot Kehat? Parce que on nous dit que les dents des enfants d'Israël dans la souffrance. Vous savez, quand on serre sa mâchoire parce qu'on a mal, parce qu'on souffre, on a les dents qui grincent. Eh bien, kehot, kehat, c'est le grincement des dents. Rappelez-vous dans la Haggadah, le soir de Pessah. Le Racha, qu'est-ce qu'on lui dit? Afata hake, agace-lui les dents, ô mécréant. Fais-lui grincer les dents. Eh bien, son deuxième enfant, Lévi l'a appelé Kehat, pour porter lui aussi sur sa chair le grincement des dents de ses frères qui vont souffrir pendant l'esclavage. Et le troisième, bien évidemment, Merari. Merari vient du mot mar, l'amertume. Cet enfant-là, il va s'appeler amertume. Pourquoi amertume? Parce que tu dois t'associer à l'amertume de tes frères. Tu ne vis pas seul, reclus, séparé de la souffrance. Oui, c'est vrai, tu es un Lévite, tu as des privilèges que les Égyptiens vont te donner. Tu n'as même pas cherché ces privilèges. Mais tu dois sentir la souffrance de tes frères. Tu dois partager, porter avec eux cette souffrance. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que quand Lévi donne le nom de ses enfants, l'esclavage n'a même pas commencé. Ce n'est qu'une prophétie d'esclavage qui va arriver. Mais Lévi veut, dès à présent, faire comprendre à ses frères et à ses enfants qu'on est un seul et même peuple, qu'on partage la souffrance, et que ce n'est pas parce que lui
n'est pas dans l'obligation de fournir des briques au quotidien, parce que c'est un prêtre. Eh bien, malgré tout, regardez, regardez tous, mes enfants, ils portent le nom de la souffrance que vous allez endurer, parce que nous allons tous endurer la même souffrance. Et donc Lévi, effectivement, s'associe à la souffrance du peuple d'Israël. Et on nous dit, ce n'est pas pour rien d'ailleurs, que Moshé va venir de la tribu des Lévim. Parce que Moshé est justement imbibé de ce principe. Moshé vit auprès du Pharaon. Il vit dans le palais du Pharaon, avec tout le confort du palais, du royaume et tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, il va se sentir concerné par la souffrance d'un peuple esclave, etc. Mais de quoi tu te mêles? Tu es dans ta tour d'ivoire, de quoi tu te mêles? Profite de ta vie! Non, c'est pas possible. Ça fait partie de ses gènes, ça fait partie de ce qu'il est. La tribu de Lévi ressent au plus profond d'elle-même la souffrance de l'autre. Il ne peut pas être impassible face à la souffrance de l'autre. Et d'ailleurs, on nous raconte dans le Midrash, et ça vraiment je voudrais le lire. Vous savez, ce fameux verset qui nous dit dans la Torah que Moshé est sorti, « Vayar besivlotam » et il a vu la souffrance de ses frères. Et le Midrash pose la question, « Mahu vayar ?» Ça signifie quoi, il a vu la souffrance de ses frères? Ah oui, tout le monde voit la souffrance des enfants d'Israël, d'accord? Tous ceux qui passent en Égypte voient la souffrance des enfants d'Israël. Que signifie « il a vu la souffrance des enfants de ses frères » Shayaroué besivlotam ou boché. Lorsque Moshé voyait la souffrance des Hébreux, il voyait cette souffrance et il pleurait, boché, veomer, et il disait Chavali alechem, j'ai mal pour vous, miiten muti alechem, je suis prêt à donner ma vie pour vous. She'en lecham elacha kasha mimlechetatit, il disait à ses frères, il n'y a rien de plus dur que de travailler dans le mortier. Et on nous dit qu'il donnait, qu'il prêtait son épaule. Il prêtait son épaule pour porter ceux qui tombaient dans le mortier, ceux qui souffraient. Il prêtait son épaule. Amar HaKadosh Baruch Hu, et Hachem lui répond, Ata narta askecha valarta lerot betzaharan shel Israël, toi, Moshe, tu as délaissé ton confort de ta tour dorée, de ton palais, pour t'associer à la souffrance de mon peuple. Venagta bahen minagachim, et tu t'es comporté avec eux comme un frère. Anim aniach et aelionim, veta tartonim, vadaber imach. Eh bien, moi, lorsque je vais vouloir me révéler sur terre, eh bien, c'est à travers toi que je vais me révéler. Vayar Hashem ki sar lirot. Lorsqu'on nous dit au moment du buisson ardent que Hachem a vu que Moshé s'est détourné pour aller voir, dans le sens littéral, pour aller voir le buisson qui est en train de brûler, le commentateur nous dit non, pas du tout. Hachem constate que Moshé a été voir, pas le buisson, il a été voir la souffrance de ses frères. Ah, si tu es un homme qui ne reste pas impassible face à la souffrance de tes frères, alors c'est à toi que je veux parler. C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël, c'est toi qui vas recevoir la Torah. Toi, Moshé. Lorsque tu vois la souffrance, effectivement, de tes frères, eh bien, c'est que tu as un cœur d'une qualité exceptionnelle. Tu as une sensibilité incroyable. Et cette sensibilité, c'est ça que je cherche pour diriger mon peuple, dit Akadosh Baruch Hu à Moshé. C'est toi qui vas libérer les enfants d'Israël. Et donc on nous dit que les Lévi'im, pour revenir à la tribu entière, les Lévi'im avaient cette qualité. Les Lévi'im étaient extrêmement sensibles, et peut-être encore plus du fait de ne pas être asservis eux-mêmes. Vous savez, lorsque je vois tout le monde souffrir, mais que moi je ne souffre pas, alors que je fais partie du même peuple, de la même famille, alors quelque part, je m'en veux à moi-même. Je me pose des questions.
Mais comment ça se fait que moi, je ne suis pas avec mes frères? Pourquoi est-ce que je ne suis pas assujetti et asservi comme mes frères? Quelque part, ça va même créer un sentiment de gêne par rapport aux autres. Et donc, une responsabilité plus grande vis-à-vis des autres. Et cette responsabilité va engager les Lévim dans leur comportement pour être encore plus sensibles à la souffrance de leurs frères. Et ils vont pleurer. Et ils vont pleurer. Et ils vont prendre les coups à la place de leurs frères. Oui, aussi, ils vont recevoir des coups. Ils vont porter quelque chose en eux, comme Moshe qui prête son épaule pour porter ses frères. Les Lévi'im, ils ont ça en eux. Et donc on nous dit, les Lévi'im, toi qui aurais pu rester tranquille parce que tu as un privilège lié à ta naissance, à ton sang, parce que tu fais partie de la caste des prêtres, et que malgré tout tu t'es associé à la souffrance de mon peuple, la tribu de Lévi dans sa globalité, alors vous avez le mérite à vous de porter le Mishkan. Qu'il s'agisse des ustensiles sacrés, des poutres, des tentures, vous allez porter ça sur vos épaules. Parce que ces épaules qui ont porté la souffrance, alors qu'elles auraient pu en être détachées, complètement dispensées, mais ces épaules qui ont porté, qui ont partagé la souffrance de leurs frères, ces épaules-là, elles sont sacrées. Elles sont sanctifiées par votre comportement. Alors, puisque vous vous êtes élevé par cela, eh bien, vous allez avoir le mérite de porter sur vos épaules tout ce qui est lié au Mishkan, à la révélation de Dieu. Voilà pourquoi les Lévis ont le mérite et le privilège de porter le Mishkan. Voilà pourquoi est-ce qu'ils portent le Mishkan. Et pourquoi les Kehates ont plus que les autres Lévim? Pourquoi est-ce que les Kehates, eux, ont les objets sacrés, le Aaron à Kodesh, etc. Pourquoi? Eh bien, on nous dit tout simplement, ça c'est le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient de la famille de Kehat. Moshe, c'est un Kehati. Et Moshe est encore plus que les autres Lévi'im. Il montre cet exemple du partage de la souffrance des autres. La sensibilité, le fait de se sentir concerné par la vie de l'autre. Encore plus que les autres Lévi'im. Les Lévi'im, eux, eh ben, ils étaient obligés de partager la souffrance de leurs frères. Ils vivaient à côté tout de même. Donc c'était difficile pour eux, imaginez, de ne pas du tout s'associer à leur souffrance. Bon, ils l'ont fait, c'est très bien. Mais bon, quelque part, bah, tu vis avec nous quand même, tu vas bien nous aider un petit peu. Mais Moshe, lui, pour lui, c'est un effort encore plus grand que pour les autres Lévi'im. Parce que Moshe, non seulement il vit dans le palais du Pharaon, il vit dans une tour d'ivoire avec tout le confort du palais. Mais lorsqu'il prend cause pour les enfants d'Israël, en réalité, il se sacrifie. Parce qu'à cause de cela, il va être chassé du palais. Il perd tout. Il avait un avenir radieux qui s'ouvrait devant lui, Moshe Rabbeinu. Il allait devenir le nouveau pharaon. Après la mort du pharaon, c'était Moshe Rabbeinu. Donc lui, Moshe, pour lui, aller s'associer à la souffrance du peuple, c'est un sacrifice qui est encore plus grand, plus important que celle des Lévi'im. Il a porté, il a donné son épaule pour porter ses frères. Et Moshe vient de la famille de Kehat. Amram, c'est un Kehat, c'est le fils de Kehat, Amram, le père de Moshe. Donc du coup, Moshe, plus que les autres, a ce principe de solidarité, de partage de la souffrance, de la vie avec l'autre, de se sentir concerné par l'existence de l'autre. Et donc, dans la famille de Lévi, qui a déjà le mérite de porter le Mishkan et tous les objets du Mishkan, de manière très large, eh bien, on distingue les Kehat par rapport au mérite de Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse porter sur ses épaules le Aaron à Kodesh, les objets sacrés comme la menorah et comme la table de préposition. Nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. Et on nous dit, vous savez, il y a dans les Pirkei Avot, les derniers Pirkei Avot qu'on va lire cette semaine, demain matin, eh bien, on va lire, vous savez, les différents traits de caractère qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Parmi ces différents traits de caractère, il y en a énormément.
eh bien, on va nous dire, il y a l'assiduité, le sérieux, le fait de s'asseoir, d'avoir une finesse dans notre intellect, etc. Enfin, on connaît tout cela, bien évidemment. Et il y a une qualité qui est peut-être un peu surprenante, et pourtant qui est présentée dans la liste des qualités nécessaires. Et celle-là, c'est « nosé be'ol chavero ». C'est de porter le joug de son ami. On pourrait dire, mais quel est le rapport maintenant, l'acquisition de la Torah et le fait d'être sensible à la souffrance de l'autre? Quel est le rapport? La Torah, c'est une étude qui nécessite une certaine faculté, un investissement intellectuel, une écoute, une attention, enfin tout ça, oui, d'accord. Et quel rapport avec le fait de porter la souffrance de l'autre, de partager le joug qui est sur les épaules des autres? Eh bien, on nous dit, en fait, c'est une qualité capitale. Parce que tu ne peux pas acquérir la Torah si tu vis seul, détaché des autres. La Torah, c'est une expérience que l'on partage. La Torah, c'est la construction d'un peuple, pas d'un individu, pas d'individualité. C'est un peuple. Et donc, si tu vois ton ami souffrir face à toi, si tu veux acquérir la Torah, ne crois pas que tu peux te détacher de la souffrance de l'autre et de faire ta Torah tout seul dans ton coin. C'est impossible. La Torah, pour l'acquérir, il faut ce trait de caractère de porter avec l'autre sa difficulté, sa souffrance, de sentir concerné par l'existence de l'autre. Et c'est seulement comme ça que tu peux recevoir la Torah. Moshe, c'est exactement cela. Moshe a reçu la Torah. Mais quelle était la qualité de Moshe? C'était justement de s'associer à la souffrance de son peuple, alors qu'il aurait pu rester dans son palais et devenir le nouveau pharaon d'Égypte. Voilà la particularité des Lévi'im. Voilà pourquoi ce sont les Kohanim. Les Kohanim viennent des Lévi'im parce qu'ils ont cette qualité. Lorsqu'on va voir un Kohen pour lui poser des questions, pour lui amener des korbanot parce qu'on a commis des fautes, etc., il partage ça avec nous. Il ne nous voit pas, il ne nous prend pas de haut. Il ne le fait pas avec orgueil. Au contraire, il a en lui, depuis l'Égypte, depuis le premier Lévi de la tribu de Lévi, il a en lui le fait de s'associer, de partager, de comprendre, de cerner les difficultés de l'autre pour les intégrer à son propre système. Voilà pourquoi, loin d'être une simple caste, loin d'être des hommes avec des privilèges, la Torah nous dit, voilà pourquoi est-ce que au sein du peuple d'Israël, j'ai choisi la famille de Lévi, et voilà pourquoi est-ce que nous, vis-à-vis de la tribu et la famille des Lévi et des Kohanim, nous avons non pas un respect de « ils sont au-dessus de moi », mais on a cet amour parce qu'on comprend qu'au moment où il le fallait, ils se sont associés à l'ensemble de la souffrance du peuple et que c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on peut recevoir la Torah et créer le peuple d'Israël. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat et j'espère que nous nous retrouverons nombreux pour notre journée dimanche de Yom HaTorah. Les précisions seront envoyées en permanence par notre Sinamail. Soyons nombreux, préparons-nous à la fête de Shavuot, tous ensemble. Shabbat Shalom à vous tous.